l'esprit hip-hop avec Matoury Vibes Quartier 2013. Après les quartiers de Concorde et Copaya, le jury s'est déplacé à la Cité Zénith, où 15 jeunes ont été auditionnés. Donc voilà, donc Matoury Vibes Quartier, c'est un projet déjà premièrement pour les jeunes, pour animer les quartiers. Et cette année, le thème, c'est le rap hip-hop. Donc à travers ce projet, nous allons également leur inculquer les valeurs du hip-hop, etc. Et le groupe Biwa, qui encadre le projet en association avec le DSU de Matoury. Donc Biwa, c'est une association aussi, mais c'est un label musical avec de nombreux artistes. C'est pour montrer que voilà qu'on a des jeunes qui sont talentueux. Il y a des choses qui se font ici. C'est pas que rester dans les quartiers à ne rien faire. Il y a des jeunes qui s'intéressent à la musique, qui aiment beaucoup la musique. Et par rapport à la musique, ben on essaie de leur inculquer des valeurs et montrer que ben qu'ils sont pas bons qu'à rester dans les coins de rue, etc. Rappelons que l'action consiste en un concours interquartier à Matoury qui permettra à 8 jeunes de bénéficier d'un accompagnement à la création musicale et d'ateliers d'initiation durant les vacances d'été 2013. C'est un gros projet, c'est le premier projet du genre où là ça reste exclusivement rap. Après, bon, bien sûr, c'est tellement que les jeunes sont tellement talentueux que même s'ils font du dancehall, ils peuvent très bien être adaptés sur du rap. Là, on vient d'assister à un atelier sur Zénith et il y a vraiment du gros potentiel chez les jeunes. Il y a vraiment du gros talent. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. Donc là, il y a encore une deuxième session samedi prochain au DSU de Balata. Donc tous les jeunes qui sont au courant, venez nous montrer de quoi vous êtes capables. Il y a du haut niveau et franchement, moi, je suis en train de kiffer là. Là, j'ai des palpitations presque. Le rendez-vous est donc pris samedi 8 juin au DSU de Balata.